À tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série sur les pannes du MH370. Alors aujourd'hui on va aborder la panne du SATCOM. Le SATCOM est très souvent confondu avec la CARS et inversement on confond souvent la CARS avec le SATCOM dans cette affaire. Pourtant il s'agit de deux choses différentes qui sont liées certes mais qu'il ne faut surtout pas confondre. C'est pourquoi dans cette série vous avez un épisode sur le SATCOM et il y aura un épisode sur la CARS. Ces deux épisodes seront donc complémentaires. Vous allez découvrir comment fonctionne le SATCOM, comment on peut expliquer la coupure qui a eu lieu lors de la disparition de l'avion. Comment la reconnexion 1h20 plus tard peut également s'expliquer. Comment le lien est établi et maintenu avec le satellite et pourquoi le dernier ping. Qui donne le fameux septième arc si important pour les recherches et si particulier mais aussi si controversé vous découvrirez aussi les appels téléphoniques qu'a tenté la compagnie aérienne et ce qu'ils permettent d'en déduire. Les données inMarsat issues du SATCOM sont un élément central dans la définition de la zone de recherche du MH370. Pointé du doigt par certains comme une invention ou une couverture au motif qu'elles n'ont pas permis de trouver l'avion, ben vous aurez ici tous les éléments pour comprendre pourquoi ces données ne sont pas aussi précises que ce que l'on pourrait penser, et que leur interprétation peut se faire de bien des manières. Alors cette partie est de loin la plus complexe de l'affaire. Alors n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois certains passages pour bien suivre mon raisonnement. On va d'abord commencer par une présentation du SATCOM. SATCOM, c'est un acronyme qui signifie Satellite Communication communication par satellite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le satellite n'est qu'un relais de communication qui est en relation constante avec une station sol. En l'occurrence, ici, la station sol est située en Australie, à Perth. Dans le cas du MH370, on parle également souvent de handshakes. Qui signifie en français poignée de main. Ce terme désigne une communication qui s'est réalisée complètement entre la station sol et l'avion. En gros, les deux systèmes se sont serrés la main pour se dire en gros ils se sont parlé. Parmi ces handshakes, on trouve différents types de communication. On va trouver le logon request, le logon interrogation, les logoff request. On va présenter euh, ces différents euh, logs. Vous allez le voir, c'est relativement simple à comprendre. Le logon request, c'est une demande de connexion de la part de l'avion, comme son nom le dit en anglais. Request, c'est une demande. Donc l'avion demande à se connecter. C'est donc initié euh, notamment au sol avant le vol, quand l'avion est en cours de préparation pour son vol. On l'abordera plus loin, car dans cette séquence de calibration, en fait. Inmarsat enregistre des paramètres très importants qui seront utilisés pour le calcul des trajectoires possibles du MH370 plus tard. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à traiter de cette partie, la partie de trajectoire, donc je vous renvoie vers celle que j'ai déjà réalisée sur ma chaîne, notamment vous en avez une où j'explique en détail les BTO et les BFO, et une autre également sur ces données satellites. Le log of request, comme son nom l'indique, c'est une requête une demande de log off c'est-à-dire de déconnexion donc on a donc une demande de déconnexion qui là encore vient de l'avion et elle est réalisée via le menu satcom log que l'on a ici dans le mcdu vous savez le petit ce qu'on appelle souvent le fms ce petit ordinateur hein, qui est utilisé pour paramétrer notamment le plan de vol de l'avion vous avez un menu qui vous permet de vous connecter au satellite mais également de vous déconnecter avec comme vous voyez en bas à droite de cette page, vous avez une option log off. Si vous cliquez dessus, quand vous êtes connecté au satellite, mais cela enverra une demande à la station sol du satellite, c'est-à-dire que le satellite va relayer cette information à la station sol et cette demande c'est une demande pour libérer le canal. Le Satcom ayant cessé d'émettre vers le satellite, dans le cas du MH370, eh bien certaines personnes ont pensé que quelqu'un dans le cockpit avait activé cette fonction de cette manière volontaire. Autant répondre directement, la réponse est un non catégorique. Pourquoi Parce que comme je viens de l'expliquer, l'avion envoi, envoie une demande de déconnexion. Et donc, par conséquent, cette demande aurait dû être archivée dans le log de communication que tient automatiquement à jour la station SOL, et donc Inmarsat. Or, aucun message log-off n'a été enregistré, car on aurait eu forcément une trace dans le login MARSAT qui a été publié, ce qui prouve que la déconnexion du SATCOM ne s'est pas faite de cette manière. Si cela avait été le cas, on aurait alors pu affirmer avec certitude que quelqu'un avait volontairement coupé la liaison avec le satellite. Or, ce n'est pas le cas. Ça laisse donc la porte ouverte à une coupure d'origine technique. Mais nous allons creuser ça un peu plus loin. Le logon interrogation, comme son nom l'indique, c'est une interrogation de connexion. Dans les deux cas que l'on a vus précédemment de log, c'était l'avion qui était à l'initiative des messages, qui envoyait une demande au satellite. Le logon interrogation est une séquence initiée par la station sol. Il faut comprendre qu'à partir du moment où une connexion est établie avec le boîtier SATCOM de l'avion. Celle-ci va réserver un canal auprès des Marsat pour que l'avion puisse communiquer quand il veut. Mais si aucune communication n'est réalisée pendant un certain laps de temps, en l'occurrence une heure, la station va se poser la question, si est-ce qu'il est toujours nécessaire de conserver ce canal disponible si l'avion n'est peut-être plus connecté à ce canal donc au bout d'environ une heure, la station sol va initier automatiquement un, un logon interrogation qui va interroger le SATCOM de l'avion pour lui demander s'il est toujours connecté au réseau, un peu comme votre téléphone portable sur une, une antenne relais. Et cela va se produire à plusieurs reprises dans le cas du MH 370. Et heureusement, car sinon il serait encore plus difficile de tenter de reconstruire une trajectoire possible dans l'océan Indien même ça aurait été totalement impossible. Le principe d'une telle communication est simple. La station sol demande au satellite d'interroger l'avion pour savoir s'il est toujours connecté. Le satellite envoie son interrogation à l'avion. Si l'avion répond, c'est qu'il est toujours connecté. Donc le canal reste disponible et on lui laisse le canal ouvert. Et si aucune autre transmission n'est reçue dans l'heure qui va suivre, eh bien, la station SOL va initier un nouveau logon interrogation. Si l'avion ne répond pas, cela veut dire qu'il n'est plus connecté. La station SOL va alors fermer le canal dans le but de l'allouer potentiellement à un autre utilisateur et donc à un autre avion. Voilà pour que vous compreniez le principe. On va maintenant parler du SATCOM à bord du Boeing 777. Le SATCOM est composé de plusieurs parties. On ne va pas toutes les détailler. La plus importante étant ce que l'on va appeler le SDU, le Satellite Data Unit. On constate sur ce schéma qu'il dialogue avec le CDU, l'AMU, le CTU et l'IMS. On ne va pas préciser tout ça. Le CDU, on l'a vu, c'est le clavier avec l'écran dans le cockpit. Je vous l'ai appelé également le MCDU, un peu plus loin, un peu précédemment. L'AMU et ce qui permet de sélectionner en fait le vocal par le satellite. On sélectionne le moyen de, de communication. Le CTU, je passe, ça ne nous intéresse pas ici. Et on a la IMS, qui va être l'interface avec la CARS notamment. Le SDU envoie ensuite les données au RFU, le Radio Frequency Unit. Qui va se charger de transformer le message à envoyer en un signal calé sur la bonne fréquence à utiliser pour être dans le bon canal qu'on lui a attribué afin de joindre le satellite? Le RFU envoie les signaux via des boîtiers, notamment des amplificateurs, pour ensuite atteindre l'antenne qui va permettre de diffuser le... les... les données. Les antennes, parlons-en. Vous voyez que le RFU a deux chemins possibles. Une vers l'antenne Low Gain et une autre vers l'antenne Top Mount High Gain. En gros, Low Gain, ça veut dire que c'est un faible gain, donc ça ne va pas être un débit énorme. Et high gain, c'est un débit élevé. En gros, vous avez euh, c'est comme si vous aviez à la maison une, euh, une connexion en fibre, une connexion en ADSL, ben, la forcément est moins rapide, mais vous avez toujours un moyen de pouvoir transmettre les données. Alors, par défaut, l'antenne Eigen, c'est celle qui est utilisée. Forcément, c'est celle qui offre la bande passante et donc la vitesse la plus grande. Et donc elle permet d'envoyer beaucoup plus de données en peu de temps. Mais si cette antenne venait à être défaillante, eh bien, le RFU se rabattrait alors sur l'antenne Logain, qui a donc un débit plus faible. Ces antennes sont situées sur le dessus du fuselage. L'antenne Eigen est facilement identifiable avec sa forme de bosse. Quant à l'antenne login, elle est un peu plus classique, comme vous pouvez le voir. Parlons maintenant de l'initialisation au sol à Kuala Lumpur. J'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Avant de nous intéresser à ce qui se passe en vol avec le SATCOM, il y a un détail qui est intéressant à savoir. Lorsque l'équipage initie la connexion avec le satellite au sol, avant le vol, il va y avoir pendant plusieurs dizaines... De minutes, des messages qui vont s'échanger avec le satellite. Sur le document que vous avez ici, vous avez la demande de logon request qui est faite, vous voyez, à 16h0013.406. C'est une heure bien précise. Je vais vous décrire ce log pour que vous puissiez par vous-même le comprendre. Je vous ai dit que le satellite gardait un canal ouvert pour communiquer avec l'avion. Lors de ce premier contact, le canal n'est pas encore alloué. Et la première connexion ainsi que tous les tests qui vont être réalisés sur les différentes canaux pour l'instant n'est pas alloué. La colonne Challenge Name indique le nom du canal. Ce nom de canal sera plus tard identique puisque ce sera le canal justement alloué au MH370 par la station Sol in Marsat. Mais lors des échanges au sol, ce canal va varier en fonction du type de test. Que le SDU et le satellite vont faire pour paramétrer la connexion. Donc c'est pour ça que vous avez une variation au début de ce log, vous n'avez pas toujours les mêmes canaux. La partie Ocean Region donne la zone de la communication et donc le satellite concerné. IOR signifie Indian Ocean Region. C'est donc le satellite qui est utilisé pour les communications au niveau de l'océan Indien. GES ID c'est l'identifiant de la station sol. La station étant définie comme une GES, c'est-à-dire une Ground Earth Station. Le channel unit ID est un identifiant de canal. Ce paramètre nous importe peu ici. Le channel type, c'est là que ça va devenir intéressant. Car ça va nous renseigner si la communication vient de l'avion ou de la station sol. En clair, le canal R est utilisé par l'avion et le canal P est utilisé par la station sol. Le X indique qu'il s'agit tout simplement d'une émission sur le canal. Quand on dit RX, c'est une émission sur le canal utilisé par l'avion. Quand on dit PX, c'est une émission utilisée sur le canal du satellite. Tout simplement. Le SU-type indique le type de message. Ce qui nous intéresse le plus... Ce sont les logon, logoff, acknowledge. En gros, c'est les accusés réception de connexion. On a aussi des user data qui sont des données d'identification utilisateur. On a aussi des T-channel assignment qui sont des allocations de canal. De nombreux également, subsequent signaling unit, qui est un peu un terme fourre-tout pour tout un tas de données diverses et variées. On a ensuite les données BFO et BTO. Ce sont ces fameuses données qui sont importantes pour retracer la trajectoire de l'avion. Comme vous pouvez le constater, ces données ne sont pas disponibles pour toutes les transmissions enregistrées dans le log. C'est normal, puisque les BTO et BFO ne peuvent provenir que d'une communication venant de l'avion. Et en effet, quand vous regardez plus à gauche sur le tableau, vous voyez que l'on a des BTO et BFO que pour des signaux émis sur le canal R, donc sur le canal RX, qui est le canal sur lequel communique le SATCOM de l'avion. Donc, si l'envie vous prend de regarder ce document officiel, ben vous avez maintenant déjà les bases pour pouvoir le décrypter. On a donc une série d'échanges qui va durer environ 11 minutes pendant cette calibration pendant lesquelles le SDU et la station sol vont calibrer en fait, le signal pour que les échanges soient fluides en vol. Au cours de ces tests, le système va également évaluer, ça c'est important de le comprendre, le temps moyen que met le SDU à répondre à un message satellite. Et ce point est extrêmement important dans le cas du MH370, car cette valeur sera prise comme référence pour tous les calculs de timing et affiner les données telles que le BTO. Voilà. Parce que quand vous avez un BTO, il faut bien comprendre que le message a été envoyé vers l'avion, ça a pris un certain temps, ça prend un certain temps pour qu'il soit traité dans l'avion et qu'il soit renvoyé, et un certain temps pour revenir au satellite. Donc il faut tenir compte de ce temps de traitement, et en gros le temps de réponse du SDU à euh, un message du satellite. Cette phase de calibration au sol est primordiale pour le bon accomplissement des prochaines communications en vol mais elle comporte aussi des paramètres importants pour l'évaluation de la trajectoire probable de l'avion qui pourra être faite plus tard. Il faut savoir que ces, ces travaux de, de trajectoire à partir de données venant de données satellites, ça n'avait jamais été fait auparavant. Parlons maintenant de la première coupure du SATCOM en mer de Chine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première perte de connexion avec l'avion ne s'est pas faite en utilisant la fonction log off sur le CDU. Le log de communication publié par Inmarsat nous fournit des informations intéressantes. On a un dernier message reçu de l'avion à 17h07-48.907. Ça vient bien de l'avion, puisqu'on est sur le canal R, et on a bien un BFO et un BTO. Mais ensuite, on n'a rien. Avant 18h03 41 405. Et cette communication ne vient pas de l'avion, puisqu'elle est sur le canal P. C'est donc la station SOL qui initie automatiquement une demande, parce que cela fait bientôt une heure qu'il n'a rien reçu en provenance de l'avion. Et donc on a ce que l'on appelle un logon interrogation, pour s'assurer que l'avion est toujours connecté au réseau ou pas. Pendant plus de deux minutes, la station sol tente de joindre le SDU du satcom du MH370, mais il ne reçoit aucune réponse. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule cause possible la déconnexion n'ayant pas été faite manuellement par un logoff request via le CDU, on aurait donc ainsi dû avoir un message de logoff qui aurait été enregistré dans le log d'Inmarsat. Eh bien, en fait, ça veut dire que le SDU du SATCOM a cessé d'être alimenté brutalement. C'est la seule explication possible. On va donc maintenant s'intéresser, forcément s'il a été perdu son alimentation, on va s'intéresser à l'alimentation électrique du SATCOM. Voyons donc comment le SATCOM est alimenté. Comme pour les radios et le transpondeur, eh bien, on va se référer à cette partie Power Interface du chapitre du SATCOM. On constate que l'alimentation vient du 115V AC LAC Sec2. Recherchons ce bus LAC Sec2 sur notre diagramme. On a bien un bus Left Main AC, mais pas de Sec2. Cherchons davantage dans la doc électrique de l'avion pour essayer de trouver une trace de ce Sec2 pour voir à quoi ça correspond. Voici le graphique concernant la distribution AC donc la distribution en courant alternatif, et là, on trouve un L-secte 2. Eh bien, il est là, notre, euh, notre petit secte 2. C'est le left secte 2, qui est une branche raccordée au left main AC. C'est-à-dire que le left main AC, vous avez plusieurs branches au sein de ce bus qui vont ensuite euh, diriger l'électricité vers différents systèmes. Donc, on va étudier l'alimentation de notre left main AC. Et je pense que maintenant vous êtes, je pense, des experts dans la lecture de ce graphique vu les vidéos précédentes. Donc, ce bus ne devrait pas vous poser de soucis pour l'interpréter. En situation normale, c'est donc le left IDG du moteur gauche qui l'alimente. On reprend notre logique en cas d'indisponibilité de l'IDG gauche ou du moteur gauche. Eh bien, le LMS peut connecter. Bien le côté droit, le Riteman AC. Mais le Right man AC à lui seul ne pourra pas alimenter tous les systèmes du côté gauche en plus. Certains seront forcément délestés. Je n'ai pas trouvé si le SATCOM ferait dans ce cas partie des équipements qui pourraient être délestés. La doc de Boeing sur ce point n'est pas suffisamment précise. Mais compte tenu que c'est un équipement qui est très consommateur d'énergie, il y a de fortes chances que ça soit le cas. L'équipage devrait toutefois, dans un cas comme ça, allumer l'APU. L'APU fournira alors du courant à nouveau au left main AC et donc au SATCOM. Il n'y a pas d'autre moyen de restaurer l'alimentation du buste left main AC dans ce cas-là. On a donc, pour résumer, une alimentation du SATCOM qui est basée sur l'IDG du moteur gauche, qui peut éventuellement sous réserve de confirmation sur les documents de Boeing, alimenté également par l'IDG du moteur droit et l'APU qui peut venir en secours. Mais ça s'arrête là. On n'a pas la batterie et on n'a pas la rate. Donc ça veut dire que si l'avion bascule sur batterie ou sur la rate, ça ne sera pas suffisant pour alimenter le SATCOM. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette première coupure du SATCOM eh bien, on va d'abord se poser la question pourquoi le SATCOM ne s'est pas reconnecté pendant plus d'une heure. Constat qui est certain, le SATCOM a cessé de fonctionner brutalement. Donc, ça veut dire que le bus Left Main AC a perdu son alimentation brutalement. Pourquoi Poussons notre raisonnement un peu plus loin. Première possibilité, l'IDG du moteur gauche a cessé de délivrer du courant. Dans ce cas, la procédure voudrait que l'équipage allume l'APU, comme on a dit. L'allumage de l'APU prend environ 1 minute 30. Mais dans ce cas, on aurait dû avoir le left main AC, et donc le SATCOM, qui aurait récupéré l'alimentation, on estime, au bout de 1 minute 30. Et que se passe-t-il quand le SATCOM perd son alimentation et la récupère est-ce que ce SATCOM se reconnecte automatiquement ou est-ce que l'équipage doit-il se reconnecter manuellement via le SCDU, faire donc un logon request Et voilà ce que l'on trouve dans le manuel de Boeing. Le SATCOM se connecte automatiquement quand il démarre. Donc, quand l'alimentation électrique du bus Left Main AC est restaurée, le SATCOM devrait se reconnecter Automatiquement. Et le SATCOM, il va bien se reconnecter automatiquement au satellite, mais à 18h25-27.421. Donc cela veut dire que, entre 17h07 et 18h25, le SATCOM a été privé d'électricité, soit environ 1h17. Comment expliquer que pendant 1h17, L'équipage n'est pas allumant, allumé l'APU si l'IDG du moteur gauche ne fournissait plus d'électricité. C'est quand même incompréhensible. Il aurait fallu seulement 1 minute 30 à l'APU pour démarrer et réalimenter correctement le Left Main AC et donc le SATCOM. Donc on aurait dû avoir une demande de reconnexion du SATCOM rapidement après l'apparition du problème technique si l'équipage a allumé l'APU. En fait, ce qu'il faut également pour être un peu plus précis, ça n'est pas 1h17 cette durée de déconnexion. Vous voyez 1h0748.907, c'est le dernier message reçu en provenance de l'avion via le Satcom. Mais cela ne veut pas dire que la coupure électrique du Satcom est intervenue dans la seconde qui a suivi. Soyons honnêtes. Personne ne sait exactement à quelle heure le SATCOM a cessé de fonctionner. Ni même pourquoi. Pour comprendre cela, il faut parler un peu de la CARS. Le dernier message à CARS a été envoyé à 17h0643. Ça, on le sait, depuis le premier rapport publié en 2015, dont vous avez le tableau ici des différents messages à CARS envoyés par l'avion. Selon les déclarations du directeur de la Malaysian Airlines en conférence de presse, l'avion était prévu d'envoyer un message de position à Cars toutes les 30 minutes. Je ferai remarquer que tous les messages à Cars sur ce tableau sont espacés rigoureusement de 5 minutes et non 30 minutes. Mais ces 30 minutes qui sont données peuvent très bien être le délai dans lequel Bascule l'avion lorsqu'il atteint son altitude de, cro de croisière. Donc partons de cette possibilité dans un premier temps. Cela signifie que le prochain message à Cars qu'aurait dû envoyer le MH370 aurait dû être à 17h36.43. Donc, on en déduit que la panne électrique du bus Left Main AC pourrait donc avoir lieu entre 17h06.43 et 17h36.43. Essayez de me suivre. Et on peut resserrer ce créneau car à, une heure, à 17h19, là je parle en heure UTC, hein, le pilote répond au contrôle malaisien qui lui donne pour instruction de contacter le Vietnam. Donc s'il y avait eu un problème électrique à cet instant, ou même avant, il est raisonnable de penser que le pilote en aurait averti le contrôleur aérien. Or, il n'en est rien. Donc, le bus aurait pu perdre son alimentation entre 17h19 et 17h36, c'est-à-dire après le dernier message radio. Juste après le transfert radio Pourquoi pas Sauf... Sauf si on considère que le courant du bus était déjà coupé avant le dernier échange radio et que le pilote l'avait fait volontairement déjà à ce moment-là et même avant. On réfléchira à cela dans une autre vidéo. Ce que l'on peut euh, raisonnablement constater sur cette première coupure d'une durée de plus d'une heure, c'est que le satcom a perdu son alimentation électrique du fait de l'absence d'alimentation du bus left main ac que l'équipage aurait dû dans les minutes qui suivaient allumer l'apu ce qui aurait alimenté à nouveau le bus left main ac et donc le satcom qui se serait immédiatement reconnecté or la reconnexion s'est faite plus d'une heure plus tard et pendant tout ce temps Jamais l'équipage n'a lancé le moindre message radio pour déclarer un quelconque problème technique. Pas même sur la fréquence de détresse 121.5. Pas même avec le transpondeur qui aurait dû permettre d'afficher 7700 le code de détresse. Au lieu de ça, le transpondeur a lui aussi cessé de fonctionner. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et on va en découvrir d'autres qui ne vont pas finir de nous surprendre. Parlons maintenant de la reconnexion dans le détroit de Malacca. Donc à 18h25 27.421, le Satcom de l'avion la, initie un logon request. Une chose est sûre à ce moment-là, l'alimentation électrique a été restaurée au niveau du bus left main AC et donc du Satcom. Pourquoi cette coupure de plus d'une heure C'est incompréhensible que le Satcom n'ait pas pu redémarrer plus tôt comme j'ai déjà dit. Et cette connexion, le plus étonnant, c'est qu'elle va se maintenir jusqu'à 0h19. Pendant tout le reste du vol au-dessus de l'océan Indien, le Satcom a toujours fonctionné et est resté connecté au réseau, à l'exception de la dernière connexion qu'on parlera un peu plus loin. Cette reconnexion a intrigué bon nombre d'experts. Pourquoi cette reconnexion à 18h25 On traitera ça également dans la dernière vidéo de la série quand on parlera de ces possibilités, de ce qui a pu se passer dans cet avion. -là. Parlons maintenant de la gestion IMS du SATCOM. Comme pour les radios, comme le transpondeur, eh bien on regarde l'alimentation, mais pas seulement, on regarde également la gestion électronique. Quand nous avons abordé les radios et le transpondeur, nous avons parlé de l'implication possible d'une panne de l'IMS bien que cela n'ait pas permis de les expliquer. L'IMS a-t-il un lien avec le Satcom La réponse est oui. À quel niveau se fait ce lien C'est intéressant d'aller voir ça. Eh bien l'IMS contrôle et interagit avec le Satcom, ce qui est normal car sinon où le SDU récupérerait les messages à cars de position ou encore les messages à CARS concernant les données sur les moteurs qu'il envoie à Rolls-Royce. Mais pas seulement. Le SDU a besoin de données concernant l'avion pour ajuster son signal. Il utilise des données telles que la position GPS ou encore la vitesse solde de l'avion, sa route. Ces derniers paramètres servent justement à calculer le BFO. Mais ça, c'est un autre sujet qui ne nous importe pas ici. Ce que je venais en moins vous faire remarquer du fait que le SDU ait accès à ces données-là et notamment la position GPS. La position GPS est une donnée essentielle qui, dans le cas du satcom, va nous donner une information très importante. À l'intérieur de cette bosse, il y a quoi Il y a une antenne directionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit pointer dans une certaine direction. Quand vous voulez capter la, la télé par satellite, vous devez diriger votre parabole dans la bonne direction pour capter le satellite. C'est la même chose. Là, il va falloir que cette antenne se dirige dans la bonne direction pour pouvoir communiquer avec le satellite en question et établir une connexion. Et comment l'avion sait-il qu'il doit diriger l'antenne dans cette direction précisément bien Il vient parce qu'il dispose de deux paramètres. Premièrement, la position GPS de l'avion. Importante, et la position nominale du satellite. En fonction de la position de l'avion, ben le SDU sait dans quelle direction diriger l'antenne. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Si le SDU est capable de pointer l'antenne SATCOM dans la bonne direction pour établir la connexion avec le satellite, ben cela signifie que l'avion a une position GPS qui est correcte et donc, que l'équipage sait parfaitement où il est. Donc difficile de laisser entendre comme certains ont pu l'affirmer que l'équipage aurait pu être perdu. Mais surtout, cela signifie que le SDU reçoit des informations qui sont correctes de la part de l'IMS. Conclusion, l'IMS fonctionne correctement pour que le Satcom établisse la connexion avec le satellite. Et puis quand on regarde le graphique on constate en plus que le SDU fonctionne avec les deux AIMS. Donc incriminer l'AIMS pour laisser entendre que le SATCOM ne fonctionne pas ne tient pas la route. Pas besoin que l'on aille plus loin sur l'AIMS ici. On va parler maintenant de l'appel téléphonique la... qu'a essayé la compagnie aérienne. À 18h39, la compagnie tente de joindre le cockpit via le téléphone satellite. C'est le téléphone que vous avez juste là entre les deux pilotes. L'appel dure environ une minute, comme on peut le constater dans l'annexe du log de communication d'Inmarsat. Vous avez toute une partie concernant cet appel téléphonique. Comment est-on certain que cet appel a bien abouti et que le téléphone a bien sonné dans le cockpit Eh bien grâce au log d'Inmarsat. L'avion répond sur le canal C. Qui est le canal dédié à l'avion pour les communications de ce type. Et on a un BFO. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pas de BTO, comme pour les autres échanges avec le satellite. Et c'est tout à fait normal, car Inmarsat n'enregistre à ce moment-là que le BFO quand il s'agit d'appels téléphoniques. Donc le téléphone sonne dans le cockpit pendant une minute et personne ne répond personne ne répond. Certains en déduisent que l'équipage est peut-être alors inconscient, laissant entendre une dépressurisation. Mais il y a une autre possibilité. Et s'il y avait bien quelqu'un dans le cockpit qui ne répondait pas Dans les 10 minutes précédant cet appel, l'avion a tourné vers le sud. C'est une certitude car le BFO relevé à l'occasion de cet appel est très différent des précédents. Donc cela prouve que l'avion a tourné. Et donc, quelqu'un l'a fait tourner. Donc, pourquoi cette personne ne répond-elle pas au téléphone qui sonne dans le cockpit L'autre question que l'on est en droit de se poser au sujet du téléphone SATCOM, c'est pourquoi l'équipage n'a pas tenté d'utiliser ce téléphone pour joindre le centre des opérations de la compagnie c'est aussi une question qui se pose. Parlons maintenant de la reconnexion au 7 e art, c'est-à-dire la dernière communication avec l'avion. Il y a une autre trace de déconnexion plus loin au cours du vol du MH370, c'est à 0h19, c'est-à-dire ce cette dernière connexion de l'avion au SATCOM. Pourquoi Parce qu'à 0h19.29, l'avion initie un nouveau logon request. Voilà qui est étonnant Puisque seulement 9 minutes juste avant, à 0h10.59, il a répondu à un logon interrogation du satellite. Donc ça veut dire que dans ce laps de temps de 9 minutes, le SATCOM a de nouveau perdu son alimentation. Sauf que là, il y a une explication qui est possible. Cette heure correspond à l'heure de fin d'autonomie estimée en carburant de l'avion. Et le comportement de l'avion dans une telle situation est facilement prévisible. Souvenez-vous, j'avais dit que le Boeing 777, s'il perdait l'alimentation des deux bus transfert, déclenchait le déploiement de la RAT, la Ramère Turbine, cette petite éolienne, et qui va en plus allumer automatiquement l'APU. Le démarrage de l'APU, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, requiert 1 minute 30 avant qu'il puisse arriver un régime de fonctionnement nominal pour pouvoir fournir de l'électricité à l'avion. Donc ce logon request nous donne une information qui est capitale. Si le SDU se connecte à 0h19.29, c'est que l'APU a fini de démarrer quelques secondes plus tôt. Et donc que son démarrage a eu lieu 1 minute 30 avant cette connexion. Donc vers 0h17. Donc l'avion serait tombé en panne moteur à 0h17. C'est en tout cas ce que l'on a longtemps considéré comme étant une certitude. Cependant, des experts ont commencé à se poser la question d'un amérissage avec les moteurs. Problème, si les moteurs fonctionnaient, on n'aurait jamais eu de déconnexion entre 0h10 et 0h19. Comment expliquer alors cette déconnexion avec des moteurs toujours en fonctionnement et Bien, la piste m'a été suggérée par Patrick Blady, qui se posait justement la question d'un amerrissage et donc d'une fin de vol pilotée. Amérir sans moteur ne permet pas au pilote de poser en douceur l'avion sur la surface de l'eau, si son but était de laisser le moins de débris possible. Même si l'APU permettait de conserver toutes les commandes de vol actives. Pour bien piloter l'avion, il restait dépendant d'une alimentation en carburant pour que l'APU fonctionne. La question qui s'est posée est tout simplement une question de pilote. Il s'est dit si je veux me poser sur l'eau en douceur, il me faut l'APU. Mais si j'attends que les moteurs lâchent par manque de carburant, ça veut dire que l'APU va démarrer, mais peut lâcher, en fait, à tout moment. Les moteurs peuvent lâcher à tout moment et pas forcément. Le moment qui m'arrange, c'est-à-dire au moment où je fais potentiellement l'arrondi, là potentiellement je peux me retrouve avec un avion qui est très difficilement pilotable. Donc l'avion n'est pilotable dans ce cas-là qu'avec un nombre réduit de gouvernes, ce qui allait rendre donc le pilotage très difficile. Donc il est parti du postulat, c'est une hypothèse, que la personne aux commandes avait potentiellement allumé la pu en amont, avant même que les moteurs n'aient cessé de fonctionner. Mais cette seule action ne permet pas pour autant d'expliquer la coupure du SATCOM. Sauf si la personne aux commandes déconnecte les générateurs IDG pour forcer l'avion à basculer directement sur l'APU. Et ce qu'il a découvert, c'est que cela crée alors une micro-coupure du SATCOM avant que son alimentation ne bascule sur l'APU. Et cela peut expliquer le logon request qui s'ensuit. Alors pourquoi faire une telle chose Potentiellement pour s'assurer que l'avion ne perde pas l'alimentation temporairement pendant la phase la plus délicate de l'amérissage. La piste de l'amérissage est encore aujourd'hui rejetée par les enquêteurs officiels, même si certaines phrases dans certains rapports australiens, plutôt récents, laissent entendre qu'il semble s'ouvrir doucement à cette perspective. Pourtant, la piste proposée par Patrick Blély, que je viens de vous décrire, ne souffre d'aucune incohérence technique. Elle fonctionne tout aussi bien que la théorie officielle d'un avion à court de carburant avec un allumage de la PU qui va redémarrer le satcom et qui reconnecte. Je ne vais pas m'attarder davantage sur la théorie d'un avion piloté ici, car ce n'est pas justement le sujet de cette série documentaire. On va donc rester focalisé sur les aspects techniques de l'avion. Alors, il y a un autre détail sur cette dernière connexion, c'est que la reconnexion au septième arc n'est pas complète. Pourquoi cette reconnexion n'est pas complète Un autre élément qui interpelle sur cette dernière connexion, c'est que la connexion n'a pas été jusqu'à son terme et que tout n'a pas été fait. Et donc le log, il est partiel. L'avion a commencé sa requête à 0h19.29.416. Et son dernier message a été envoyé à 0h19.37.443. Donc ça veut dire que cette connexion, elle a duré... À peine 8 secondes. À cet instant, l'avion a terminé son logon request. Et la station SOL va ensuite vérifier une heure plus tard, donc à 0 h 1556000 si l'avion sera toujours connecté. Et là, bah, la station n'aura aucune réponse. Bref, ces 8 secondes que dure la reconnexion indiquent également que l'avion n'a pas effectué la connexion des IFE. L'Interactive Flight Entertainment, qui est le système de divertissement en cabine, autrement dit l'Internet des passagers. L'avion s'est écrasé avant de poursuivre la connexion, ou alors le SATCOM a été délesté par le LMS, entre-temps, pour alimenter des équipements plus prioritaires. On n'est malheureusement pas en mesure de le déterminer, mais ce qui est certain, selon moi, c'est que si l'avion s'était écrasé à cet instant, donc c'est-à-dire. Dans les secondes qui suivaient cette demande de reconnexion. Alors cela voudrait dire qu'il est très proche du septième arc. Or il y a un problème. La zone a été méticuleusement explorée sans que l'on trouve de traces de l'avion. Donc cela veut dire que l'avion n'est pas proche du 7e arc. Donc si l'avion n'est pas proche du septième arc, ça veut dire qu'il a potentiellement continué à voler plus loin. D'où l'idée que je défends depuis longtemps, que potentiellement cet avion a été piloté à la fin et que quelqu'un l'a fait planer. Ça paraît surréaliste, mais c'est une, une hypothèse qui est pour l'instant tout à fait valable puisque la zone de recherche montre que l'avion ne s'est pas craché dans les secondes qui ont suivi cette reconnexion au SATCOM. Parlons maintenant de l'Interactive Flight Entertainment. Je viens d'en parler un petit peu, les IFE. On va revenir un petit peu en arrière. Lors de la première reconnexion, dans le détroit de Malacca. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'IFE s'est enregistré correctement. Mais ce qui est troublant, c'est qu'aucune activité n'a eu lieu pendant tout le reste du vol. Ce qui fait dire à certains experts qu'il n'y avait plus personne de vivant dans la cabine passager lors de cette reconnexion à 18h25-27.421. Possible. Difficile de le confirmer, mais c'est possible. Le mystère de l'absence du Flight ID lors de la reconnexion du SATCOM. Un détail qui était passé inaperçu dans les rapports, euh, dans les rapports malaisiens. Et en fait, lors de la reconnexion du SATCOM dans le Détroit de Malacca, fait assez troublant, il n'y avait pas de Flight ID. Alors, un détail qui peut paraître anodin, mais qui a intégré, intrigué Patrick Blély et Jean-Luc Marchand pendant des mois pour tenter de trouver une explication. Alors qu'est-ce que c'est que ce Flight ID C'est ce que l'on appelle un identifiant de vol. Il est utilisé pour le plan de vol et c'est l'identifiant qui sera également visible, coué ici, euh, sur des écrans radar. L'équipage le rentre dans le MCDU. Lors de la préparation du vol, et donc de la route du plan de vol, dans la partie droite, vous avez Flight Number. Pour le MH370, ben c'était MAS370. Dans leur étude. De février 2022, Patrick Blély et Jean-Luc Marchand ont publié ce tableau que nous allons examiner pour mieux comprendre. Le premier est le logon request lors de la préparation de l'avion au sol. L'équipage n'a pas encore rempli sa route, il n'y a donc pas encore de flight ID. Le flight ID du vol précédent a été effacé automatiquement. On verra la procédure un petit peu plus loin pourquoi. Mais 9 minutes plus tard, on a ce Flight ID. À 17h07.39, lors du dernier rapport ACARS de l'avion, ce Flight ID est bien présent dans la communication. Mais lorsque l'avion se reconnecte au réseau à 18h25, pas de Flight ID. Seul l'identifiant du terminal en fait, est présent. Et c'est grâce à lui que l'on sait que c'est bien le boîtier SDU qui était monté à bord du MH370 qui s'est bien connecté au réseau. La question qu'ils se sont ensuite posée, c'est pourquoi est-il absent Est-il conservé en mémoire dans le cas d'une coupure électrique C'est la question qui sont posées. Leurs recherches ont montré qu'il était stocké dans l'AIMS, au sein de la mémoire que l'on voit ici, la mémoire CCA. Je rappelle que l'on a deux IMS qui fonctionnent en parallèle. Ici, on voit l'AIMS gauche. Jetons un coup d'œil sur l'AIMS droit. Tiens. Il n'y a pas de data memory CCA sur la IMS droit. Intéressant. Donc le Flight ID est stocké uniquement dans la IMS gauche et reste en mémoire tant que l'IMS est alimentée en électricité. On parle ici d'une mémoire vive. Si vous coupez l'alimentation de cette mémoire, les données sont perdues. C'est comme la mémoire RAM que vous avez sur un ordinateur. Elle est obligée de fonctionner avec de l'électricité. Quand vous l'éteignez, tout ce qui est dans votre mémoire est perdu. Mais par contre, votre disque dur, c'est une mémoire morte. Donc vous conservez vos données même si votre ordinateur est éteint. Ou comme une clé USB. C'est pareil. Or là, c'est une mémoire vive. Il nous faut l'IMS qui fonctionne pour que ce qui est en mémoire là, dans ce... cette mémoire CCA, puisse être conservé. Et si l'IMS Left se retrouve privé d'électricité Parce que c'est la seule explication qui pourrait expliquer que cette mémoire n'est plus conservé le numéro de vol. Si vous vous référez à ce que l'on a pu dire sur les IMS dans les vidéos précédentes, notamment l'épisode numéro 1, nous n'avions trouvé aucune raison pour que les deux IMS cessent de fonctionner et encore moins l'IMS gauche. Tant celui-ci était secouru avec une énorme redondance allant même jusqu'à la batterie et la petite turbine à hélice, la rate. Mais se pourrait-il que la transition d'une source électrique vers la batterie occasionne une micro-coupure qui pourrait supprimer brutalement le Flight ID de cette mémoire Eh bien là encore, en creusant davantage, on se rend compte que le manuel de Boeing nous donne la réponse en indiquant que la connexion au bus haute batterie conserve la mémoire interne LRM active. Donc, il n'y a pas de perte de données lors de cette transition de source électrique. Cette piste ne peut pas expliquer la disparition de ce Flight ID. Je n'avais pas été aussi loin dans mes travaux et il faut reconnaître que je dois ces détails concernant ce Flight ID à Patrick et Jean-Luc, qui sont vraiment de vrais Sherlock Holmes au niveau technique. Mais il y a une autre possibilité qui pourrait expliquer la disparition de ce Flight ID et qui n'avait jamais été suggérée par le passé, pas même par l'independent group. C'est ce que l'on va appeler le data link reset. Cette procédure se fait soit automatiquement, soit manuellement. D'abord, automatiquement, cette procédure se fait au sol, 9 minutes après la coupure du dernier moteur et l'ouverture d'une porte passager, comme c'est indiqué. Donc, ça n'est pas à la mise en route du système alors que l'avion est en vol que ce reset peut se produire. L'avion étant resté en vol, il est impossible qu'un datalink reset automatique ait pu se produire. Voyons maintenant la piste manuelle. Il faut pour cela accéder à la page du menu comme manager et sélectionner datalink system reset puis confirmer avec la case de droite. Cette action va supprimer le flight ID alors la question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi l'équipage ferait une telle chose en vol Empêcher que le SATCOM n'envoie ce flight ID qui identifierait l'avion sur le réseau Cette procédure requiert clairement d'avoir des connaissances sur le SATCOM et de savoir comment réaliser une telle procédure. Et il n'y a pas beaucoup de personnes à bord du MH370 susceptibles d'avoir ces compétences. C'est vite vu, il n'y en a que deux les pilotes. Une chose est certaine, le Flight ID n'a pas pu disparaître tout seul. Les deux IMS n'ont pas pu être privés d'alimentation. L'avion étant en vol, au moins un des deux moteurs fonctionnait. Cela laissait au minimum un IDG et un backup générateur de disponible via le backup gen converter Impossible, dans ces conditions, que les IMS ne soient plus alimentés, alors que deux sources minimum étaient disponibles, sans compter la batterie et la rate qui pouvaient également être déployées. Un data link reset automatique ne peut pas s'être produit car les conditions ne pouvaient pas être remplies en vol. La seule explication possible est donc une action manuelle dans le cockpit par quelqu'un qui connaissait la procédure. Si on ne peut déterminer les motivations de la personne qui a fait cela, il paraît clair qu'il y a une volonté de rendre le MH370 fantôme même sur le réseau Inmarsat. On a donc là une preuve d'une action délibérée de quelqu'un dans le cockpit qui connaît très bien l'avion. Car on ne peut pas l'expliquer d'une autre manière. Un mot sur la prise de contrôle du SATCOM. Une autre piste, notamment évoquée à une certaine période par Guillaume Waterloo, était celle d'une prise de contrôle de l'avion par un des passagers via le boîtier Satcom. Cette piste aurait, je dis bien cela au conditionnel, aurait été évoquée par l'équipe des gendarmes français qui enquêtait dessus lors d'un entretien avec lui. À l'époque, j'étais en contact avec Guylain Watrelot, il s'en était ouvert à moi en me donnant quelques précisions pour que je puisse investiguer cette piste. J'étais très dubitatif sur la faisabilité mais s'accrochait beaucoup à cette piste à l'époque. Alors j'ai essayé de lui apporter des éléments de réponse de la manière la plus factuelle et objective possible. Quelle était cette piste Selon ses dires, les gendarmes enquêtaient sur une personne à bord de l'avion qui aurait été assise sur le siège juste en dessous du boîtier du SATCOM. Derrière le plafond et sous l'antenne Hagen, vous avez en effet un bloc qui regroupe tous les éléments du SATCOM, CDU, RFU, etc. Et cette personne, selon l'enquête officielle malaisienne, était un ingénieur aéronautique ayant travaillé dans une compagnie d'aviation d'affaires suisse. Pour Guillain, il était donc compétent pour hacker le SATCOM, et ce serait là-dessus que les gendarmes français auraient travaillé à l'époque comme piste. J'ai donc mené ma petite enquête à l'époque sur cette personne. Il s'agit de Maud Karoul Amri Selamat, 29 ans. Je tiens au passage à remercier également Patrick Blély pour avoir retrouvé tout un tas d'informations dessus, parce que parfois, plusieurs années après, c'est toujours difficile de retrouver toutes ces infos. Alors, oui, cette personne était bien sur ce siège. C'est la police malaisienne qui a confirmé le 17 mars 2014 qu'ils s'intéressaient à lui et ont détaillé son expérience professionnelle. D'abord présenté comme ingénieur de vol, c'était en fait un technicien qui travaillait en Malaisie pour ExecuJet Aviation Group, une compagnie de jets privés dont le siège est situé en Suisse. Cependant, il n'avait aucune expérience du Boeing 777. Et un Boeing 777, c'est très différent d'un jet privé. Le fait qu'il ait été assis sous le SATCOM est tout simplement un hasard. Guylain prétendait qu'il avait pu accéder au boîtier à distance en étant juste en dessous. Je suis toujours resté très dubitatif sur cette éventualité. Non seulement la faisabilité technique d'un accès de cette manière est plus que douteux, mais en plus, qu'un qu piratage par le biais du SATCOM aurait bloqué les radios, le transpondeur, la case, aurait fait changer de direction l'avion, là on est dans le domaine du fantasme. Il est techniquement impossible d'accéder à ces équipements par l'intermédiaire du SATCOM. Certes, cette piste a fait des gros titres, particulièrement dans la presse française, parce que Guillain a pas mal contribué à la diffuser dans les médias, mais cette piste n'est pas crédible du tout. J'en avais d'ailleurs dédié un chapitre dans mon ouvrage pour démontrer que ça ne tenait pas à la route. Toutefois, certains milieux complotistes ressortent régulièrement cette piste. Au motif que les Américains auraient été capables de prendre le contrôle de l'avion à distance, mettant en avant des brevets déposés par Boeing après le 11 septembre 2001, afin d'éviter que de telles actions terroristes ne se reproduisent. Or, le Boeing 777, immatriculé 9M MRO, était sorti des usines de, de Boeing le 31 mai 2002. À cette époque, les Boeing 777 qui sortaient d'usine étaient équipés d'une version ce qu'on appelle IMS-1, qui avait une capacité de mémoire très limitée, beaucoup trop limitée pour permettre à un logiciel de contrôle d'être stocké à l'intérieur. Si le sujet de la vulnérabilité des réseaux aéronautiques peut se poser, cette menace a été prise très au sérieux par les régulateurs tels que l'AESA, l'Agence européenne de sécurité aéronautique qui a mené d'ailleurs des études et des simulations qui n'ont à ce jour jamais permis de suspecter la moindre faisabilité d'une prise de contrôle aussi poussée, pas même une altération de cap. En 2015, Chris Roberts affirma avoir pris le contrôle d'un avion à 15 ou 20 reprises entre 2011 et 2014, notamment en initiant... Un ordre de monter en passant par le système de divertissement des passagers les fameux ife le fbi s'était à l'époque saisi de l'affaire sauf que aucun rapport n'a été fait par les équipages comme cela aurait généralement été le cas si de tels dysfonctionnements avaient été observés ce qui laisse perplexe sur ce que prétend avoir fait chris roberts mais surtout les systèmes comme les ife sont normalement isolés des autres systèmes de l'avion donc l'accès est techniquement impossible. On va parler maintenant de la piste du SATCOM qui aurait été détournée. Une autre possibilité a été évoquée par Jeff Wise et largement promue par le documentaire Netflix. Celle d'une action depuis la Main Equipment Center, donc la soute où vous avez tous les équipements électroniques, d'une personne se connectant au système avec un ordinateur pour modifier les données envoyées au SATCOM afin de faire croire que l'avion volait vers le sud alors qu'il aurait volé vers le nord. Autant vous dire que j'ai fait des bons au plafond quand j'ai entendu les arguments de Jeff Wise, car rien de ce qu'il raconte n'est possible. Mais étudions de manière technique ce qu'il raconte pour évaluer ceci. De quelles données parle Jeff Wise Il y en a deux, les BTO et les BFO. On va être assez sommaire ici sur ces données car je les ai déjà expliquées comme je l'ai dit dans deux autres vidéos. Le BTO est une mesure de temps entre l'avion et le satellite. Cette donnée est donc tout simplement impossible à falsifier. Quant au BFO, c'est justement celui-ci que Jeff Weiss laisse entendre qu'il a été manipulé depuis l'avion. C'est en effet le BFO qui permet d'avoir une idée de la trajectoire de l'avion au moment de la transmission sans que cela soit très précis pour autant. Sauf qu'au moment de la disparition, jamais le BFO n'avait été utilisé précédemment pour tenter de reconstruire une trajectoire d'un avion. Comment les auteurs auraient pu y penser Car ce sont les techniciens d'Inmarsat qui ont planché dessus dans les semaines qui ont suivi la disparition du MH370 pour voir s'ils pouvaient en tirer quelque chose. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc ça n'est déjà pas crédible sur ce point, sa théorie. Mais du point de vue technique, ça peut être intéressant de constater que l'on peut démonter cette théorie. Pour cela, il faut déjà avoir des notions de ce qu'est le BFO. Le BFO, c'est un écart de fréquence calculé par l'avion à partir de la vitesse de rapprochement qu'a l'avion en direction du satellite. Il faut donc se poser la question de comment l'avion peut calculer cette vitesse de rapprochement. Il a besoin de savoir la position du satellite et sa position, sa vitesse sol, et sa direction, ce qu'on va appeler la route vraie. La position du satellite est stockée en mémoire dans le SDU, sous la forme d'une position nominale en deux dimensions, c'est-à-dire sans l'altitude du satellite. La position de l'avion est donnée par le GPS par l'intermédiaire de l'IMS. Le SATCOM est obligé d'avoir ces deux données au minimum ne serait-ce que pour pointer l'antenne dans la bonne direction, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Sans cela, aucune connexion ne serait possible. Donc vu que l'on a une connexion qui est établie et maintenue, cela prouve que ces données provenant de l'IMS étaient correctes. Donc il resterait la vitesse sol et la route vraie. La vitesse sol et la route vraie sont tirées du GPS, mais aussi des centrales inertielles, et elles sont envoyées par l'AIMS. La théorie de Jeff Wise. Suppose donc une action au niveau des IMS. Et c'est là que ça coince. Si tant est que les données en question puissent être manipulées, cela mettrait potentiellement en danger la sécurité de l'avion à court terme, car ces données sont utilisées par d'autres systèmes. Ça serait une manipulation extrêmement risquée pour un résultat difficilement prévisible. Toucher aux IMS en vol est déjà impossible techniquement, tel qu'il le suppose en connectant soi-disant un ordinateur pour y accéder. Alors comment Netflix a-t-il pu laisser passer une telle théorie sans la faire vérifier à des ingénieurs aéronautiques dignes de ce nom C'est tout simplement scandaleux car le public n'a pas les connaissances techniques pour la juger et on ne les lui donne pas comme je le fais ici. Cette théorie est donc totalement farfelue et n'aurait jamais dû être évoquée par Netflix. En conclusion... Dans cet épisode, je n'ai pas traité de l'impact du SATCOM sur la fin du vol et de ce qu'il a permis de faire. Cet aspect a déjà été couvert dans d'autres de mes vidéos et ça a peu d'intérêt ici. J'ai souhaité me focaliser sur ces aspects techniques du début du vol, à savoir la perte de l'alimentation, qui est la seule explication possible pouvant expliquer l'absence de connexion, et la reconnexion une heure plus tard. Si le SATCOM est un système moins secouru que les radios ou le transpondeur. On parvient à trouver toutefois une explication technique viable sur sa coupure, mais il n'en demeure pas moins difficile d'expliquer pourquoi celui-ci a cessé de fonctionner pendant plus d'une heure, et surtout pourquoi il s'est subitement remis à fonctionner et ce normalement pendant les sept heures qui ont suivi. L'absence du flight ID prouve une action volontaire qui n'a aucune raison d'être effectuée en vol. On peut donc en conclure que la coupure électrique pourrait être tout aussi volontaire. Quelle aurait été la motivation à couper le SATCOM Dans le cas d'un acte volontaire, après avoir détourné l'avion, il est évident que couper le SATCOM empêcherait les passagers d'utiliser Internet pour prévenir de ce qui se passait actuellement. Mais la question qui se pose ensuite, c'est pourquoi avoir laissé le SATCOM se reconnecter au risque qu'un passager utilise Internet, sauf si une dépressurisation a été réalisée, rendant totalement euh, les, les passagers dans l'incapacité de réagir, puisqu'ils étaient tous morts en cabine. Mais on traitera de ce sujet dans une prochaine vidéo, donc on verra cela le moment venu. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a des traces d'un acte volontaire d'une personne qui savait comment effacer ce Flight ID. Et seulement deux personnes à bord de l'avion avaient les connaissances requises, les deux pilotes. Et cette découverte, on la doit à Patrick Blély et Jean-Luc Marchand dans leur étude de 2023. Preuve que l'on découvre encore des preuves et des éléments intéressants dix ans plus tard. Ce sera tout pour cette vidéo sur le SATCOM. Dans la prochaine, on abordera la CARS.